Bonjour à toutes et à tous, cette semaine je vous propose une nouvelle couleur modèle nommée Style Curaçao. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou vos capitaines de groupe pour entrer les valeurs X et RGB sur le Social Club, comme indiqué en ce moment sur la capture s'affichant sur votre écran, ou de leur partager la vidéo. Pour procéder, il faut placer le curseur de votre souris sur le rectangle coloré correspondant à la couleur de votre groupe. Faites un clic droit dessus, puis inspectez. Une console s'affichera soit en bas, soit à droite de votre écran. Repérez la ligne Crew Color Value, c'est ici que vous devez entrer la valeur X, puis valider avec la touche Entrée de votre clavier. Repérez la ligne Background Color RGB, où vous devez rentrer la valeur RGB. Validez avec la touche Entrée de votre clavier également. Maintenant, faites sauvegarder ce crew, puis lancez le jeu. Si vous n'avez pas le temps de noter les valeurs X et RGB s'affichant, je les ai indiquées dans la description de la vidéo. Une fois au Los Santos Custom ou chez Beniz, allez sur le menu Peinture. Si votre véhicule dispose de deux couleurs, principale et secondaire, commencez par la secondaire pour appliquer la première couche. Une fois dans le menu couleur secondaire, allez dans Métaux, sélectionnez Acier brossé, validez, vous ressortez. Ressortez également, vous allez sur couleur principale, Métaux, sélectionnez Acier brossé, vous validez, vous ressortez. Vous faites couleur principale, métalliser, vous entrez. Vous ressortez sans rien sélectionner, vous ressortez encore et encore, vous allez sur plaque, vous prenez une des trois premières, vous validez, vous ressortez, vous retournez sur peinture, couleur principale, vous allez sur nacré, vous allez sélectionner la teinte bleu ultra, vous validez, vous ressortez, vous allez sur crew, vous validez, vous ressortez, allez sur couleur secondaire, crew, vous validez, vous ressortez, et voilà, vous avez désormais la teinte style Curaçao sur votre carrosserie.